Donc. What's up, boys? What's up, boys and girls? Jackie Boy Hanlon. Tu mets ton écran? Ils ne sont pas soumis ou des trucs. Jackie Boy, tu ne pourras pas être assis dans ton lit aujourd'hui. Ouais, on fait un workout aujourd'hui. Là. J'espère que vous êtes prêts. C'est un training, mon gros. Maxou, allume ta caméra. OK. Théo. Allô, Penny. What's up, Charlie? Veuillez. Théo, yes, Maddie, il est prêt. Il est après nous autres. Amel, il est aussi là. OK, so, je vais juste vous expliquer un petit peu le workout d'aujourd'hui avant qu'on commence, à quoi ça va ressembler. So, pour commencer, on va faire un petit 5 minutes de warm-up. Le but, ça va être vraiment de prendre des respirations, faire pomper le cœur un petit peu avant qu'on commence les exercices. Okay? So, comme warm-up, on va faire 30 secondes de jumping jack. Okay? Comme à l'habitude, 30 secondes. Après ça, on va faire un 20 secondes de high knees, un 20 secondes de tap-fest. Et après ça, on va faire quelques petits étirements pour les cuisses. Vous allez voir, je vais tout vous guider au travers de ça. Vous n'avez pas besoin de tout retenir. Puis après ça, on va commencer le workout. Ça va être pas mal un workout de jambes aujourd'hui, mélangé avec du chest. Okay? Fait que ça va être 5 exercices. Je vais aller passer au travers tantôt. Puis on va faire environ 3 à 4 rounds. Puis on va finir avec un petit 10 minutes d'abs à la fin. So, c'est à ça que ça va ressembler. Si jamais vous avez des questions, whatever, moi, Vince, Storm, on va vous corriger au travers de l'écran. Fait qu'arrangez-vous pour que... Tu sais, je veux pas que vous fassiez le workout qu'on voit ça, qu'on voit juste votre corps. OK? Ça va être important aujourd'hui qu'on voit pas mal vos jambes, la position que vous allez faire pour qu'on puisse bien voir si vous faites bien les mouvements. OK? So, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant qu'on commence? Non? Everything's good? OK. So, pour commencer, on va faire un 30 secondes de jumping jack. OK, fait que préparez-vous. Prenez un grand respect. On va partir ça dans 3, 2, 1. C'est parti, let's go. 1, 2, 3. Prenez le temps de prendre les respirations, emmener l'oxygène à vos muscles. 3, 2, 1. All right. Un petit 15 secondes de high knees. On va voir ça. Essayez de monter ça haut. Étirez vos jambes. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Secondes, après ça, on va étirer les jambes. Tape fesse, comme ça. Bouge tes cheveux quand tu le fais. 3, 2, 1, c'est parti. Talon de fesse. Garde-toi en équilibre. Viens pogner ta jambe en arrière. Le but, c'est pas de se faire mal, okay? C'est juste de se cacher un petit peu.
juste un peu, amène un petit stretch, pas trop de rien dur, un petit 5 secondes, 7 secondes chaque bord. OK. Ça vient comme ça ici du côté. Étirer l'intérieur de la cuisse. Douleur environ 4 sur 10. Là. Et ça va brûler les jambes aujourd'hui. Parfait. OK. So, la première exercice, on va travailler un peu les quads puis l'explosion. Vous allez tous vous mettre comme ça. Un genou au sol, l'autre comme ça ici. Fait, ça s'appelle le lateral first step. Et on va utiliser l'explosion de notre quadricep. Okay? Fait, tu vas commencer comme ça. Tu vas faire un tap au sol. Tu vas exploser côté latéral. Puis tu vas venir ratterrir à une jambe. OK? Stabilité. Vas-y moins loin pour commencer. Et plus que tu y vas, essaie de rajouter de la longueur. OK? Fait que ça ressemble à ça. Je suis prêt. Je ratterrai à une jambe. Je vais faire. OK? J'inspire. Puis quand je pousse, là, je vais expirer en même temps. OK? J'atterris à une jambe si possible. Je me replace. J'inspire. C'est important de pousser dans le sol bien fort. Quand tu mets ta jambe à terre, là, c'est l'explosion. Tu pousses extrêmement fort dans le sol. Exactement. Tu veux venir pousser et tu t'en vas côté latéral, qui est comme un enjambé, comme une pousse. Donc, on va faire ça pendant 30 secondes. Après ça, vous allez faire 5 push-ups normales. Puis après ça, on va passer à l'autre exercice. Ready? Et faites un thumbs up quand vous êtes ready. Descends la caméra, Jaco. Et on veut voir que vous le faites comme il faut. On passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes. OK. Push. Stabilise à une jambe. Jaco Boy, Maxou, mettez vos mitts en avant. Comme si tu tiens les mains. C'est ça. T'as été vos corps, là. Contracte tes abs, ça va être encore plus facile. Good job. Penny, garde ton dos droit. John Harris, Jack. Okay, time's up. Là, vous allez vous descendre. 5 push-ups normales. Commence à normal, OK? Quand tu es capable, viens de passer tes genoux, continue. OK? Let's go. Fight. Quand vous faites ça, gardez vos hanches droites. OK? Je veux mes hanches et mes genoux par les droits. OK? Next up, selon l'appel, c'est le deuxième exercice. C'est le close squat. To large squat each side. Fait qu'on commence en position normale de squat, qui est même un petit peu plus rapproché que normal. Tu fais un squat, tu t'en vas d'un côté, squat large, tu reviens, squat large, reviens, squat large. Fait que tu es toujours en train de faire un squat. Okay? Prenez des respirations, un autre 30 secondes, on passe ça en 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Mettez votre poids sur vos talons. Loïc, fais sûr que tes genoux ne dépassent pas tes orteils. Et Penny, encore ici. Commence un droit, un large. Un milieu, un large. Milieu, large de l'autre côté. Boum. Ça. Ouais. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Position push-up. Sauf que là, on appelle ça un shoulder push-up. C'est juste
position normale, je vais avancer mes pieds un petit peu. Puis là, je vais venir descendre ma tête au sol comme ça ici. Je vais plus engager la partie de mes épaules. Okay? On en fait cinq comme ça. Okay? Fait que je veux monter mes fesses pour celle-là. Là, je vais venir descendre ma tête en gardant mes bras près de mon corps. Good job, Ben. Good job, Jack. Théo, avance tes pieds un petit peu. Good job, Penny. Avance tes pieds. Descends ta tête, c'est ça. Loïc, c'est ça. Avance tes pieds vers tes mains, Loïc. OK, good job. C'est ça. Puis là, tu fais une push-up avec tes épaules. Puis pas tes genoux. Puis là, c'est bon, ça. On va faire un reverse lunge. S'il y en a d'entre vous autres qui ont des petits poids à la maison, soit des 10 livres, 5 livres, et vous sentiez à l'aise de mettre un petit peu plus de poids, allez-y, OK? Il n'y a pas de trouble là. Mais sinon, vous pouvez garder ça simple pour la première round, juste le temps d'apprendre les exercices. Puis dans la deuxième round, on va mettre des poids. OK? So, le reverse lunge va comme suit. Mes deux pieds sont alignés du côté, puis je vais mettre ma jambe à l'arrière. OK? C'est important quand on fait un lunge, je couvre mon genou, il dépasse mes orteils ici en avant. Okay? Je me ramène, je change de jambe, boum, je suis droit. Mon corps est droit. J'ai 2,90 degrés au niveau de mes genoux. C'est vraiment ça, un lunge. C'est 2,90 degrés. OK? Zach, remonte-les à quoi ne pas faire. Faites sûr que votre genou ne dépasse pas tes orteils. Fais-les comme mal. Si tu fais ça de même, là, tu peux te blesser. Regarde, mon genou ici, il n'y a pas un 90 degrés. Ça dépasse en arrière non plus. Okay? Ça, c'est pas bon. Je veux un 90. Boum. Là, je suis à 90. OK? On part ça. 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Je ne veux pas que mon genou en arrière, il touche au sol. OK? C'est tout stabilisé. Contrôle plus, Matt. Pas trop vite. Vous êtes mieux de faire le contrôle. C'est ça. Contrôle ça. Contrôlez votre respiration. Mets ton ventre dur, Jack. Contrôlez votre respiration en même temps que vos mouvements aussi. Ça, c'est super important. Good job. Puis le hip, on veut venir faire ça en un mouvement. Boum! Un mouvement, je ramène. Un mouvement, je ramène. Je ne veux pas faire un, deux. Et je veux tout faire en un. Un mouvement. 5, 4, 3, 2, 1, position push-up. Là, je vais venir faire un push-up close grip. S'il y en a qui sont des toughs, venez coller vos doigts. Sinon, faites la position comme ça, puis vous pouvez juste les élargir de 2-3 pouces. Okay? Puis on va venir faire 5 push-ups, puis là, on va engager la partie des triceps. Okay? Descends ton chest. 1, 2, 3, 4, 5. On se remet en position. Là, c'est le knee step squat. Fait que tout le monde est en position sur les genoux. Encore une fois, si tu veux pas gagner un poids, tu vas mettre ça encore plus tough. Fait que là, c'est de lever, boum, redescend, change la jambe. Redescend, change la jambe. Puis là, le but, c'est comme si tu montais une marche. Boum, tu montes une marche, tu redescends, tu changes la jambe. OK? On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti pour 30 secondes. Ça, là, c'est bien important quand vous le faites que votre dos reste droit. Il ne faut pas que tu remontes, que ton dos soit plié comme ça. OK? Garde ton dos droit. Bon, ton dos droit, mon core, il est super tight. Je travaille avec mes cuisses. Rien d'autre. Garde ton ventre dur, Jack. Garde ton ventre dur. Good job. S'il y en a qui veulent challenger un peu, mettez vos mains en avant. Vous mettez les mains, arrête ta tête, Max. Good job, Maris. Tu restes bas, c'est bon, ça. 5, 4. Merci de mon Max. 2, 1. Parfait. Position push-up. Là, vous allez faire wide push-up. Élargi.
fais tes mains larges, okay, t'es comme ça, close grip, wide. Là, tu vas encore une fois 5 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier exercice, puis on va avoir terminé notre first round, ça va être le temps de boire de l'eau. On va faire 30 secondes de jump squat. Okay? Maintenant, si tu ne veux pas te blesser, il ne faut pas qu'on entende le bruit quand tu as tiré. Okay? Jump squat, descends high, amortis tous tes coups, puis saute le plus haut que tu peux. Okay? Quand je pousse, full contraction de mes orteils, puis de mes mollets. Okay? Puis j'atterris comme Spider-Man, je ne veux pas entendre de son. Okay? On prend ça dans 3, 2, 1. Atterris tes orteils. Let's go. Atterris avec tes orteils. Okay? Quand je pousse, j'expire. Je redescends, j'inspire. Concentre-toi sur ta respiration. Vous pouvez utiliser vos bras pour vous propulser dans les airs aussi, Max, c'est ça. That's it, Max. Lâchez-vous. That's it. Push. Respire. Push. Synchronise-toi, c'est le week. Lâche pas, Penny. Lâche pas. Pas de break. 3, 2, 1. All right. Good job. Okay. Sur le dos. Est-ce que tout le monde est correct avec les mouvements? C'est des mouvements que les gens n'ont pas compris, tout est good. Faites un thumbs up et un thumbs down s'il y a quelque chose. Puis juste vous expliquer quelque chose, tout le monde. Au hockey, là, c'est tout en rapport avec l'explosion. Fait que peu importe ce que tu vas faire comme training, il faut que tout soit explosif. Fait que si tu fais des jump squats, il faut que tu pousses à toutes les fois le plus fort que tu peux dans les airs. C'est tout de l'explosion. Le plus vite et le plus fort que tu peux. Comme la game de hockey. OK, fait qu'on repart ça. On repart ça avec le numéro 1. C'était le lateral first step jump. Fait que tout le monde en position. Là, regardez bien. Là. Je veux que tu partes. Boum, tu pushes. Quand tu descends, boum. Je veux que tu donnes un coup. OK? Donne un coup. OK, on repart ça dans 3. Pousse fort à taille, Jack. Un, c'est parti, let's go. Push. Maxime, vas-y moins vite. Explose plus. Let's go. À ton temps. On ne veut pas te voir dans le screen, Max. Ça veut dire que tu pousses. C'est ça, Max. C'est comme un fantôme. C'est ça. Tout le monde en position push-up normal. Et 5 push-ups. En 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Step numéro 2, position squat. Okay, on met ça tight. Un squat tight. On bouge. Boom. On ramène. L'autre bord. OK. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Squat. Choisis un côté. Ramène. Vas-y, plus tranquille, plus lentement. Ben, descends à peine. Yes. OK. 3, 2, 1, time's up. Position, shoulder push-up. Et commence debout. Mets tes mains à terre. Laisse tes talons un peu, puis tu vas être en bonne position. OK. Juste baisser ta tête au sol. Pas mon ventre, contrairement à un vrai push-up. OK? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3. Good job, Théo. 5. All right. Exercice numéro
numéro 3, reverse lunge. Si tu as un poids, tu vas le prendre, tu vas le mettre à ton chest. Et on n'oublie pas, on veut 2,90 degrés derrière les genoux. Comme ça. Boom. Boom. On pense en 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Let's go, les boys. And girls. And girls, Penny, that's it. Is that Penny? Core tight. Mets-la au bout des bras. Mets-la au bout de tes bras, la balle de Jack. Capable? Et c'est là. Yeah. 3, 2, 1. Position push-up. Close grip. On appelle aussi diamond. OK? On passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3. Tes mains ensemble, Max, c'est ça. 4, 5, all right. Next one, knee step squat. Fait qu'on est sur les genoux, je garde tight et je reste bas. OK, je veux pas remonter tout mon corps, redescendre. Je reste bas. Boom. OK, boom. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Il faut alterner les jambes aussi. Okay. Lâche pas. That's it, Max. Cinq. C'est Charlie. Bon, c'est Charlie. Deux, side core. Un. Good work. Position push-up. OK, wide push-up. Large. En trois. Deux. C'est parti, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier exercice, jump squat, OK? Descendez bas, on absorbe, puis on jump, OK? On part ça en 3, 2, 1, let's go. Dernier exercice, on push, OK? Jump squat, Max. Et c'est un good job. Contrôle, Max, quand t'atterris. That's it, Max. Loïc, quand tu landes sur le bout de tes pieds, pas sur tes talons. Good job, Théo. Descends tes fesses. Descends tes fesses, Penny, aussi. Plus bas que tu peux. Bien absorbé, là, tes genoux, il faut que ça plie. Okay? Good job, Charlie, c'est parfait, ça. 3, 2, 1. All right, time's up, break. Un peu d'eau. Dans la gang. Faites-moi là un petit sondage avec vos doigts. Le niveau d'intensité jusqu'à date sur 10, ça ressemble à combien? 0 étant le moins tough. 10 étant trop tough. Maxi, il a l'air de trouver ça tough. 7 étant parfait. 6. 6, Benny, c'est pas pire. 1, 6, parfait. Okay. Si c'est trop facile, on rajoute un poids avec ça. Okay, on s'en va pour une autre série. Une autre série de ça. Après ça, on va faire un set d'abs de 3 rounds. Ouais, Jackie Boy. Moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un meeting avec Midget 3. Il n'y a pas de stress, mon vieux. Good job. All right, merci. Ciao, mon Jack. Good job, Jackie Boy. All right. Fait qu'on clenche ça, une dernière série. On fait ça comme il faut, all out. Puis on vide la tank. Après ça, on va finir ça avec un abs killer. OK? On part ça avec le lateral step jump. Oui, mon Max. On part ça dans 3. Comme ça ici. 2. 1. C'est parti, let's go. On explose. Expire à ta poussée. Stabilité, hardcore. On atterrit à une jambe stable. Atterrit à une jambe. Vas-y moins loin, Max, mais atterrit sur une jambe.
C'est ça. Good job, on lâche pas. Break. Position push-up normale. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti. 5 push-up normal. Quatre, cinq. All right. OK, cinquième exercice. Close squat to large squat. Position squat, rapprochée. On s'en rappelle, boom, extérieur, penny, regarde les jambes, OK? Quand je fais ça, elle ne bouge pas, m'en va large. La remette, elle ne bouge pas. Large, elle ne bouge pas. Large, OK? 3, 2, 1, c'est parti. Boom. Good job. Hey, Max, c'est les rushs chez vous, Max? Good job. Main en avant. Tight core. Il ne faut pas que tes genoux dépassent tes orteils, mon Max. Et ton pouce, tes talons. On ne fait pas de break entre nos squats. C'est tout un mouvement continu. Good job, Charlie. 2, 1, position push-up. Shoulder push-up. On est debout, on se penche. On met nos mains, on lève nos talons au sol. Et je vais les mettre ma tête. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1. 2, 3, 4, 5. All right. Next up, reverse lunge. Si vous voulez augmenter l'intensité, prenez un poids. Mettez-la à votre chest. Mettez votre core tight. On n'oublie pas, ça prend 2,90 degrés. Le genou ne dépasse pas les orteils. À 3. Let's go, on lâche pas ça, on est quasiment fini. 1. C'est parti. Let's go. Reverse lunge. Habilité, tight core, dos droit. Et on va juste chercher une petite affaire plus loin en arrière. Ça va te forcer à aller à 90 degrés. C'est ça. Exactement. That's it, Charlie. Good job, Max. Five. Bon, t'as le wick. 4, 3, 2, 1, position, close grip. Diamond push-up dans 3, 2, 1. C'est parti, on travaille les triceps. 1, 2, 3. Et ça, Penny, good job. 5, good job. Knee, step, squat. On est sur les genoux. Tight core, il reste toujours droit. On passe ça. 3, 2, 1. Let's go. Boom. On descend, change de bord. Good job. C'est ça, mon Max, c'est bon, ça. On reste. Charlie est en contrôle. Oui, c'est bon, j'aime ça. Charlie, ses jambes ont grossi la dernière fois que je l'ai vu. 3, 2, 1. Position wide push-up. OK, on part ça. En 3, 2, 1, wide push-up. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Good job. Last exercice, tout le monde, avant les abs. Jump squat. On y va full out. OK, c'est la dernière fois que tu vas faire tes jambes. Fait qu'allez-y au max. On explose au max. OK? 3, 2, 1, c'est parti, let's go. 30 secondes. Respire, explose. OK? Absorbe ton cou. C'est ça, le wick. C'est bon, ça, le wick. Descends plus, Maxou, descends plus. C'est ça. Descends plus, Penny. C'est ça, good job. That's it, le wick. Good job, Théo. Good job, Charlie Boy. Hi. Let's 4, go, let's go, let's go. 3, 2, 2, 2. Ah ouais, Max. 1, good job. Good work. Yeah. Yeah, prenez un peu d'eau.
Assisez-vous. Quelle heure? Parfait. Donc, on va faire une petite session d'âge. Good job. Prenez-vous un peu d'eau, là. On va hydrater. La première fois, tu t'entraînes, Théo? Non? Et non, check son gym. Oui, Loïc, la première fois, tu t'entraînes, mon Loïc? Non? Bon. Fait que là, continuez à être en break deux petites secondes, là, dans le temps que je vous montre les exercices. OK? Pour le premier exercice, pendant un nombre indéterminé que je vais choisir, vous allez juste commencer à me balayer comme ceci. Pas trop haut, pas trop facile. OK? Juste entre les deux, on contracte les abdos. Vous allez faire ça pendant 20 secondes. Quand je dis switch, switch comme ça, mais il n'y a pas de pause encore là, qui se fait. Il n'y a pas de pause. OK? Je vais faire la démo. Quand je dis switch, tu colles tes jambes, mets tes mains en dessous tes fesses, puis tu montes en ligne droite. OK? On est rendu à 3, là, sans arrêter. OK? Après ça, 4. Tournez comme ça ici. 1. Tu redescends. Après ça, on va venir prendre un break. OK, mais il faut que ça brûle. Ce qui est important à tout le monde, là, c'est d'avoir ton bas de dos collé au sol. Tu ne veux pas avoir un trou. Si tu es capable de mettre ta main entre ton dos et la plancher, c'est pas bon. Je veux coller ton dos. OK, ça ne sera pas long. Je vais vous le faire. Je vais essayer de gager, voir là, comment vous êtes capable de faire ça. Mais pour commencer, je vais vous donner un 15 secondes. Okay, je ne vais pas vous brûler non plus, là. Si on additionne, ça va être une minute d'abdos sans arrêter. OK? Es-tu prêt? Yes, sir, let's go. Max, montre-moi ton dos. Que je vois ton dos, Max. C'est ça. On prend ça dans 3, 2, 1, on fait le baissier. Let's go. 15 secondes, je veux que ça soit hard. OK. Pédale, 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 pédale. C'est sûr que ton bas de dos est collé à terre. Ma tête, je veux la soulever un peu du sol. Regardez mes pieds. Okay. C'est bon, c'est Loïc. On switch. Latéral. Côté comme ça. On lâche pas, Penny, baisse. C'est ça, comme des ciseaux, Penny, exactement. Ah, oh, le chien est là, yes. On switch. Okay, on switch. Let's go. That's it, garde ton dos collé, Max. Je le vois, Max. On pousse. Lâchez pas. Last one, switch. OK, tu viens toucher le bout de tes orteils. Let's go. Tu lèves les deux en même temps, Théo, c'est ça, les mains et les pieds. Exact. 4, 3, 2, 1. Don't worry. Good job. OK. Là, vous allez vous faire en 30 secondes de planche. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. 30 secondes de planche. Avant le bras, Théo, c'est ça. Et là, la gang, là, c'est important. Quand tu es dans une planche, tu veux prendre des grandes respirations puis être focus. Penny, tu es capable de te mettre droite, Penny? C'est ça. Oh, lève un peu. C'est ça. Ça te reste comme ça. On lâche pas. Respire, good job. Qu'est-ce que tu fais, Penny? Il fait semblant qu'il n'est pas là, Penny. C'est ça. On a des grandes respirations. On lâche pas. C'est ça, Max. Tu ne veux pas avoir un trou dans ton dos, Max. Hands up, on se met sur le dos. C'est ça. Good job. On a fait notre premier round. Okay. Si tu veux prendre de l'eau, bois de l'eau. Fait qu'on va refaire la même chose. On commence en pédale. Ciseaux. Monte ça au plafond.
main to orteil avec une planche de 30 secondes. That's it. Deuxième va être fait. Prenez des grandes respirations. On en fait trois. On en a deux. Let's go. On fait la deuxième. Alors, je ne sais pas, gang, on a quasiment fini. Okay. On part avec les ciseaux en 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Théo, es-tu capable de mettre tes mains sur le côté, Théo? C'est ça. Le col ton dos. Lève ta tête du sol, Théo. Loïc. C'est ça. 5, 4, 3, 2, 1, ciseaux, let's go. Lâchez pas. Tight core. Ouais, lâche pas ça, Théo. Oui, ça brûle, en tout cas. 2, 1, on monte sur le plafond, on colle nos jambes. Let's go. Contrôlez-le, contrôlez-le, c'est ça. Je veux pas que mes fesses lèvent. Max, garde tes genoux dépliés. Tu veux pas que tes genoux soient pliés, Max. Oui. Tu es déplié, c'est ça. Oui, tu en lâches pas, let's go. Main to orteil. Let's go. Max, les mains jusqu'au pied, Max. Get ready. OK, on se met en position planche. On porte ça dans 3. Ouais, Maxou. Let's go, Maxou. 1. Let's go, la planche, c'est parti. On prend des respirations. Laisse tes fesses un peu, Max. Pas de trou dans ton dos, c'est ça. That's it. Good job, respire, respire. Bouge pas, Théo. Contrôle-toi, c'est ça. Lâche pas. 10 secondes, let's go. Lâche pas, respire. Pas de trou, Max. Pas de trou dans ton dos, Max. 5, 4, ça, reste 1. 3, 2, 1. Good work. That's it, les boys and girls. Deuxième est faite, il en reste une. Charlie, je ne sais pas si tu es capable de baisser la caméra pour qu'on te voit. Ouais, ça, c'est bon. Ouh! Last one. Correct, Théo. Mon Max, tu vas t'en partir, les gars. Max, il dort. Ben, il est bien dormi à soir. Okay, Marie, on donne tout ce qu'on a. Good job. Grande respiration. On y retourne. Let's go. Ah ouais, de rien. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Passe tes mains là, Penny. On pédale. Oh boy, là, c'est tough. On pédale. Lève ta tête, Penny. C'est 3, ça. 2, 1, on switch. On fait les ciseaux. Les genoux dépliés le plus possible. Cinq, quatre, trois, Max. Deux, un, on switch. Jambes en haut. On garde les genoux droits dépliés. Jump, Charlie. 3, 2, 1. Là, celle-là, on met les jambes au plafond puis on fait juste lever comme ça. Trois, deux, un. Good work, on se met en planche. Last planche. Ok, 3, 2, 1. Ouais, Maxou, 30 secondes puis c'est fini. 30 secondes. Respect, mon gros. Okay. That's it, Loïc. Good job, Loïc. Parfait, ça. On descend ça, on rend ça tough. Respect par ton nez. Ok, quand on est en planche, on veut engager nos abdos pour le rendre ça encore plus tough. Un autre 15 secondes, non, je sais pas. Pas de trou, Max. Je veux pas de trou dans ton dos, Max. C'est loué. C'est tough. Je sais que c'est tough, Max. Good job, la gang. Good work.
3, 2, 1, good job. That's it. Good work. Good work, tout le monde. OK, ouvrez vos micros. On va tous vous demander de ask on mute. Maxou, t'es-tu fatigué, Maxou? Benny, comment t'aimais ça? Bien. Ouais, t'aurais-tu des commentaires ou des feedbacks pour nous autres ou des choses que tu aimerais peut-être travailler prochain coach Corps? Des étirements. Oui, parfait. Merci, Penny. Puis, by the way, c'est un bon point que tu as donné. Mais les prochains coach Corps, là, on va voir plein de choses différentes par entraînement. Fait comme un coach Corps, on va faire juste des stretches. Quel genre d'exercice qu'on peut faire? Un autre coach Corps, ça va être c'est quel genre d'échelle pour améliorer nos quick feet qu'on peut faire. Fait qu'on va même choisir un thème par coach call, puis on va vous présenter ça. Okay? Good job, Penny, c'était un bon point. Toi, Charlie, des commentaires, des feedbacks, qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est pas mal. C'est plus la flexibilité que j'ai à travailler. OK. Oui, puis sinon, c'était bien correct. Oui, niveau d'intensité sur 10? 8. Bien, parfait. Merci. Toi, Théo? Ma respiration pendant les exercices. C'était un petit peu un challenge, ta respiration? Oui. Bien, oui, parfait. T'avais-tu des choses que t'aimerais qu'on voit dans les coach calls prochainement, des suggestions? Non? OK. Toi, Brad, tu veux te pogner Max? Maxou, c'est comment? Ouais, c'est correct, c'est nice. Hein? T'as de l'air brûlé, mon gros. Good job. Hey, c'est en faisant des petites affaires le même check. Là. Vous venez de prendre 30 minutes aujourd'hui en faisant de l'extra. C'est ces petites affaires-là qui vont vous apporter un edge. En ce moment, là, tous vos autres teammates, tous vos autres chums là, sont en train de jouer à Fortnite ou en train d'écouter Netflix en ce moment. Là, vous autres, vous venez tous de vous améliorer. Vos jambes sont un peu plus fortes. Votre core est un peu plus fort. Votre chest est un peu plus fort. C'est ça qui différencie les joueurs qui sont corrects versus les joueurs qui sont ça coche, qui sont des beasts. Si tu prends 30 minutes à chaque jour pour toi-même, pour faire un petit quelque chose pour t'améliorer, pour te rendre plus fort, c'est ça qui va te rendre au prochain niveau. So, faut que vous aimez ça, sortir de votre zone de confort. En ce moment, tout le monde ici est sorti de sa zone de confort, puis même quand il se couche à soir, ben, il va être 0,1% meilleur. Puis si tu t'améliores à tous les jours de 0,1%, à la fin d'une année, tu vas voir, ça va faire une grosse différence. Tu vas pogner un head sur tous tes teammates, sur tout le monde que tu compétitionnes contre. Good job. Je suis allé vous autres. Good job, la gang. Good job, tout le monde. Et avant de nous laisser, Loïc, toi, t'avais-tu quelque chose à partager? Comment t'as aimé ça? J'ai bien aimé. C'était tough pour la première fois. Là. Ouais. C'était quand même tough, ouais. Parfait. On va prendre ça en note. Good job. C'est la première fois que tu étais sur un coach call avec nous autres, Loïc? Non, mais c'est la première fois que je faisais un workout comme... un workout. Ouais, tu vas bien dormir à soir, mon Loïc. Ça va être parfait. Soyez fiers de vous autres, tout le monde. Good job. Passez une belle restante de semaine. Continuez à travailler fort, puis on se voit la semaine prochaine. Max, va faire ta copie là, que tu dois à ton prof au demain. Ciao, tout le monde. Pas comme moi, j'aime les parents. Ciao. Bye. Claude va être fâché, Max. Ciao. Non, non. Ben, juste